Sega. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Sega Rally. Alors, Sega Rally, on l'avait déjà plus ou moins fait sur PC. La version PC qui était à peu près la même version que la version PS3, et je crois même que le jeu est sorti sur Xbox, si je dis pas de bêtises. Xbox 360. Donc, on va voir la version PSP. Est-ce que ça vaut? Est-ce que ça va être un truc pourri, injouable, moche, ou est-ce que ça sera un jeu aussi bien que ces deux compteurs console et PC? Donc du coup on va faire Wizard Profile, donc on pourra pas enregistrer mais ça c'est pas grave. Donc autosave is on. Qu'est-ce qu'il est bête ce chat encore une fois. Oui, le chat. Non. Alors on a Quick Race, Championship, Time Attack, Multiplayer. Alors Multiplayer j'imagine... Ouais voilà, qu'on peut jouer en mode ad hoc, infrastructure et game sharing. Donc apparemment on peut partager le jeu. Ça sous-entendrait que bah, si vous avez un seul jeu et que vous avez deux consoles, pas besoin d'avoir acheté deux fois le jeu, bah en fait votre collègue ou vous-même pourrez jouer avec avec lui ou elle. Alors du coup, on a les options. On a le menu, donc les SFX, Pace Note, Music Speedometer, ok. Autosave, bon de toute façon on pourra pas sauvegarder, ça change rien. Là, on va laisser par défaut. Et on va aller voir du coup les autres menus, donc Leaderboard, Race Time Attack, donc ça ce sont les temps. Hein. Voilà. Break Championship, Leaderboard, Top 10 Lap Time, Safari sur chaque tracé. On va faire sortir. Ensuite on a le profil, donc là on peut charger, supprimer ou faire un nouveau profil. Je vais d'ailleurs faire start, et à la base je ne veux pas créer de profil, donc faire back. Et je vous propose pour commencer on va faire un... allez, pourquoi pas une petite course rapide. Donc pour le début on a Safari 1, Safari 2, Safari 3, Alpine 1, Alpine 2, Alpine 3, Tropical 1, Tropical 2, Tropical 3, Arctic 1, Arctic 2, Arctic 3, Canyon 1, Canyon 2, Canyon 3, et c'est tout. Mais c'est quand même pas mal pour un, on va dire, pour un début de jeu sans avoir rien débloqué, c'est quand même assez intéressant. Je vais refermer la fenêtre. Alors c'est parti, on va prendre un peu au hasard, bah, par exemple on va prendre allez, Safari 2. On a donc comme voiture, donc une Subaru Impreza, une Mitsubishi Lancer Evolution 9, on a droit à une Citroën Sara Rallycross de 2004. On a une Skoda Octavia Kitka. Alors c'est des versions un petit peu modifiées, j'ai l'impression, il y a certains skins que je reconnais pas. Notamment pour celui de la Golf GTI. On a ensuite la C2 Super 1600, la Master Toyota, alors c'est la catégorie en dessous, hein, je précise. La Celica ST205, donc c'est celle qui avait couru la fin du championnat 94 et le championnat 95, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a la Lancia Delta et la Ford RS Cosworth. Alors, on va commencer pour l'instant avec le modèle classique, et puis on enchaînera sur les autres. On a plusieurs choix pour les pneus. Donc, tarmac, on a pour le gravier, on a pour la neige. Alors normalement, vu qu'on est sur un truc un peu safari, on va prendre celui du milieu. Et enfin, on peut choisir de prendre la boîte manuelle ou automatique. On va faire automatique. Pas se prendre la tête. De toute façon, c'est un jeu qui normalement est pas censé être prise de tête, dans le sens où c'est très arcade. Et donc, c'est parti. C'est parti. Donc, 6 véhicules contre nous, bah, comme... enfin, 5 contre nous. C'est comme la version console, hein. Se le dire. Et déjà, comme vous pouvez le voir assez rapidement, on a une pixelisation qui est assez forte, hein, dans le jeu. La résolution de la PSP permet pas d'avoir un truc en 1080p ou même 720p. Et ça rend le truc très aliasé, malheureusement.
Alors je vais essayer de me concentrer histoire de faire bah, pourquoi pas une petite course correcte. Donc ce qui faisait la force de Sega Rally à l'époque, en tout cas dans cette version là, c'était bien sûr la piste qui changeait en fonction du passage des voitures. Ce qui fait qu'un tour était différent de l'autre. Puisque suivant où les voitures étaient passées avant, ça commençait à creuser le sol, ce qui faisait que eh ben, c'était plus ou moins facile de prendre le virage si vous prenez extérieur, intérieur, par rapport aux traces dans le bitume. Dans le bitume, pardon, ou dans le gravier, ou dans la boue surtout. Ça marquait plus dans la boue. Je me souviens plus s'il y avait des dégâts visuels sur les bagnoles. En tout cas, vous pouvez le voir là, c'est très arcade hein, dans le maniement. Pas mal d'objets au sol qui se cassent aussi. C'est plutôt intéressant. Alors c'est un jeu qui date de 2006. Donc on est encore dans les... Bon, les premières années de la PSP, hein. Mais je trouve que pour un jeu PSP, il est pas trop moche. Après, ça va. Alors, on m'avait reproché sur une vidéo sur. Je crois que c'est une vidéo sur la Game Boy Advance, je sais plus quel jeu c'était, peu importe. Et me dire, t'as qu'à afficher plus petit. L'air de dire, je pense que c'était le propos, hein, que je respecte entièrement. L'air de dire, bon, enfin, c'est cool, mais ton affichage est tout petit, on voit pas grand chose. Et l'idée, en fait, c'était aussi. De vous montrer ce que vous auriez vu si vous aviez la console. Donc le fait qu'on voit pas grand chose, bah, c'est un peu... C'est pas voulu, mais c'est voulu proportionner. Et pareil ici avec la PSP dans la vidéo. Vous allez peut-être me dire, ouais, t'aurais pu agrandir un peu. Bon, bah, je le fais pas parce que ça... Ça n'a pas de sens. L'idée c'est de voir un peu comment on pouvait voir sur la PSP à l'époque. Typiquement, moi je vois énormément de pixels, mais quand on est un peu plus éloigné de l'écran, bah ça passe. La qualité d'écran est quand même un peu meilleure. Pour l'instant, on est combien? On est 3ème sur 6. Alors, on a plusieurs vues. Voilà, une vue un petit peu éloignée. On a une vue à l'intérieur, une vue proche du capot. On n'a pas de vue cockpit. Mais bon, après, vous allez s'en douter pour un jeu d'arcade quand même. Mais on a quand même une vue capot qui est assez intéressante. Ça permet d'être en général beaucoup plus précis dans les courbes. Une vue d'extérieur, on a du mal à. On voit notre gabarit, certes, mais on a du mal à rentrer où il faut dans un virage. Alors je pensais que j'allais prendre l'arbre et finalement ça l'a explosé. On est au finish, la 3 sur 3, ce que je vais gagner. Ouais. Alors on a gagné sur le fil. Et du coup j'ai battu les pilotes AI. Pas beaucoup hein. Alors il met deux... Ah non, c'est le best là, pardon. C'est vrai qu'au niveau total time on a que un dixième d'avance. On a droit à un replay. Je vais vous laisser tourner un tout petit peu histoire de, voilà, de voir un peu les graphismes. On peut mettre le mode slow motion. Avec le slow motion. Constant Chon, The Mélenchon. Désolé, hein, ça m'a fait penser à ça. Oui, on peut mettre apparemment du slow motion. Mais je sais pas comment. Ah oui, pardon. D'accord, oui. C'est vraiment. Voilà, quand j'appuie là-dessus, on est en mode un peu ralenti. Effectivement. Encore en slow motion. Et quand je vais là, je vais faire play, on va être en mode normal. Alors première critique rapide hein, sur le jeu. Effectivement, ils n'ont pas voulu faire trop de coupes drastiques dans le nombre de détails sur les circuits, donc il y en a. Et je trouve que ça rend difficile des fois le visuel devant nous. On ne sait pas trop où il faut aller, des fois c'est un peu compliqué. Et en plus j'ai pas pris un tracé qui soit ultra compliqué non plus. Hein. Après, en termes de maniement, on va voir ça après. Je vais faire quitter. On va passer en mode normal. On va un petit peu les coupes à faire. Donc on a, je vous l'ai dit, le mode time attack. Mode multijoueur, mais multijoueur, on pourra pas en faire là. On va faire un mode championnat. Donc on a, voilà, trois championnats. Championnat des masters, championnat des voitures modifiées et championnat premier. Le jeu peut être en français, là, c'est la version anglaise, mais... avec carré, on peut voir le final statut. On peut voir que je n'ai rien gagné. On va lancer le premier. Alors j'ai souvenir rapide dans la version PC PS3 que c'était un petit peu différent. Je crois qu'on débloquait des voitures au fur et à mesure. Enfin c'est des courses un peu... C'était pas comme ça. Enfin, les championnats n'étaient pas organisés comme ça. Donc on a le championnat amateur. Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans chaque catégorie, parce qu'au départ c'était trois catégories, vous avez donc plusieurs championnats, hein. C'est pas qu'un seul championnat, donc il y a quand même du challenge à avoir. Et regardez, j'ai le Hazard Challenge, le Blue Star Rally, on va faire le tout premier.
nous dit qu'on va faire le Safari Tropical Alpine 1, donc on va prendre... Bah tiens, et pourquoi pas la Citroën cette fois-ci, qu'on n'a pas souvent l'habitude de prendre. Je vais garder le middle, hein, parce que j'aime bien. J'aime avoir un truc entre les deux. Et donc c'est parti pour cette première coupe. Donc c'est bien, c'est que ça part quand je vais appuyer sur X, donc avantage... Allez, c'est parti. Je vais me taire un petit peu, vous laisser écouter un peu l'ambiance du jeu et bah, le copilote, tant qu'à faire. Alors c'est drôle parce qu'ils ont conservé un... Comment expliquer ? Un petit effet de voix sur le copilote vraiment similaire à ce qu'on avait du coup dans Sega Rally 1, Sega Rally 2. Ça ressemble beaucoup. Et paradoxalement, je trouve que ça va pas du tout avec, avec le jeu. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des voix prises à part. Je peux péter un peu les palissades sur les côtés. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a pas de dégâts visuels sur les voitures. Et je me demande même s'il y a des dégâts, enfin pas des dégâts, mais si à la fin, notre véhicule, par exemple, si on va dans la boue, est-ce qu'il se tache ou pas. J'ai pas l'impression. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Par exemple, voilà, là on est un peu dans la boue. Est-ce que la Citroën va se tacher au fur et à mesure? Ça va pas être le cas. Ce qui est marrant ici, c'est que j'ai deux trajectoires en fait. Je peux prendre la partie boueuse, la partie plutôt sèche. J'ai choisi la partie plutôt sèche. Et il y a une vraie différence entre les... entre le revêtement asphalté et au niveau du gravier en termes de... en termes de grip. Ça c'est quand même à souligner. C'est... ça reste réaliste. Comme vous pouvez le voir, le jeu est quand même plutôt fluide. C'est aussi une... j'ai pas vu ce que j'ai vu une vue arrière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vue arrière par contre. Non. Avec les gâchettes en tout cas ça fait rien. Je pense que les gâchettes servent uniquement pour passer les vitesses. Ce serait je pense le plus logique. En tout cas c'est un jeu très sympa. Bon, à choisir un jeu de rallye, je dirais que c'est aussi deux jeux de rallye à choisir sur, sur PSP. Bien sûr, la version Colin McRae 2005 plus qui est, je pense, la meilleure version pour la console. Mais bien entendu, celui-là pourra pas mal si vous aimez plutôt l'arcade. Donc je le recommande quand même. Bon, chaudement, j'exagérerai un petit peu, mais je le recommande en tout cas. Je crois qu'il y a eu d'autres jeux de rallye, mais alors je me souviens plus desquels hein, qu'il peut y avoir sur la PSP. Je pense qu'il y a un WRC sur PSP, ça serait intéressant de voir. C'est pas sûr hein, ce que j'ai dit. Continuer. Donc on va faire maintenant du coup le Tropical 1. Si, on va enchaîner et voir bah, du coup si on débloque quelque chose ou pas. Alors je me souviens de ce tracé, ça me parle. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur la version console ou PC. Comme vous pouvez voir quand même, c'est très très... Alors les effets d'eau sont plutôt, plutôt réussis, enfin plutôt réussis. La texture est pourrie, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très faible en termes de résolution. Et je trouve que l'effet un peu blur qu'elle donne est assez cohérent, enfin je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, je pense que ça ne marche pas. Tu vois, ça ne salisse pas. Mais devant, c'est déjà en train de prendre de l'avance. Alors c'est un peu le même, même réflexion que je vais faire par rapport à, aux versions console. J'aime beaucoup certains spéciales parce que honnêtement, regardez, ça, on a l'impression que... Ouh là, elle a fait n'importe quoi la voiture. Je trouve qu'il fait super beau. Ça sent vraiment les vacances ce jeu.
vraiment dans des zones tropicales. C'est très chatoyant en termes de couleurs. Je trouve que c'est un peu anti-déprime ce genre de course. Bon, je dis ça, mais on va sûrement faire de la neige un peu plus tard. Mais là, ça sera. Oh là là, bah pareil, je crois que j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure. Je n'arrive pas à les rattraper devant moi. Vous voyez, l'eau est quand même plutôt bien réussi. Alors, on voit bien que c'est un effet miroir un peu fou. Mais je trouve que ça rend pas trop mal. On va peut-être changer un peu de vue. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement de son que l'on sent en caméra embarquée ou pas. Je sais pas non plus si les véhicules ont chacun leur performance. Alors, en tout cas, au sein de la même classe, ou est-ce qu'ils ont toutes la même vitesse de pointe, tout ça. On n'a pas de statistiques affichées dans le jeu. Hein. C'est vraiment, on choisit le véhicule, voilà, il nous plaît, on le prend. On ne sait pas s'il va plus vite, accélère mieux, tourne mieux. Bel effet de vitesse en tout cas ici. Allez, deuxième tour sur 3. J'ai réussi à les rattraper, je fais moins de bêtises. Je crois qu'il y a eu un flat out aussi sur PSP si je dis pas de bêtises, faudrait que je regarde aussi. C'est vrai que la PSP n'est pas une console qu'on a beaucoup fait sur la chaîne. J'ai beaucoup fait sur la chaîne. Bon après il y a beaucoup de consoles que je n'ai pas beaucoup fait. Typiquement les consoles Microsoft, vous en êtes rendu compte, il n'y a quasiment rien. Bon, ça reste un choix, mais aussi une contrainte dans le sens où bah, certains. J'ai beaucoup de jeux qui ne marchent pas bien sur ces consoles pour les tester. Donc. Voilà. Oula, je vais d'envoyer mon collègue. J'ai mon collègue parce que c'est une Sarah aussi. Ouais, ouais. Attention, ici c'est un peu. Je pense que ça va lever pour la reprise. Alors, le fait de voir le circuit sur les côtés, ça va être quand même pas mal. Ça reste toujours bien de l'avoir. J'espère qu'on va voir aussi quelques parties dans la neige. Attention au rebond. Alors j'ai l'impression que quand on touche le mur ou en tout cas le bas-côté, parce qu'on peut pas sortir du circuit, hein. C'est-à-dire que si je vais un peu trop vers les arbres, bah, évidemment il va y avoir une sorte de mur invisible qui m'empêche d'aller plus loin. Alors j'ai l'impression qu'on perd pas tant de temps que ça. C'est vrai que ça rebondit, mais on perd pas beaucoup de vitesse. Dans le Sega Rally 1, par exemple, Sega Rally 2, c'était très très pénalisant de toucher les bordures. Là, on a vraiment peu de pertes de vitesse, donc on peut un peu faire n'importe quoi. Enfin, jusqu'à certaines limites, mais on peut quand même en abuser. Et du coup, le troisième circuit. C'est bien, on va avoir une partie dans la neige. Souvent quand vous voyez une pause dans les vidéos, c'est qu'il y a un contre-temps entre temps, vous inquiétez pas, mais pour vous ça sera toujours pas invisible parce que vous allez voir quand même, mais disons que ça sera pas un arrêt d'un coup. Donc je disais, on fait un circuit sur la neige, ça c'est bien. Et au niveau du grip ça se sent quand même hein. Alors vous voyez c'est assez drôle parce que je trouve par exemple ce circuit assez Sega-esque. Alors vous allez dire pourquoi Sega-esque. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il fait vraiment penser à des graphismes que l'on aurait pu avoir par exemple dans Sonic Adventure sur Dreamcast. Avec ce côté très coloré. On a de la neige mais on a l'impression qu'il a neigé quasiment dans sur une île des tropiques. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement on aurait censé avoir des arbres... un peu tristouné quoi, un peu vert, vert pomme, vert gris. Mais là non, c'est très coloré, tout va bien, on a 3 heures sur une île, et dans laquelle il neige quand même. Allez, on est en train de rattraper les deux devant nous. Et évidemment, le chat pour la 30e fois de la vidéo qui rentre, sort, qui va ressortir dans vous, peut-être secondes, mais bon c'est pas grave. Décidément. Alors vous me dites pourquoi je fais pas de cut. Parce que si je fais un cut, je suis obligé de re-encoder. Si j'en ai su, je re-encode, je vais perdre la qualité. Voilà, c'est simple. Les gens me disent ça, mais...
peu à cause de ça aussi. Les courses. Alors regardez, il y a quand même du décor, hein. On a un train qui passe sur le côté. Ils sont pas non plus. Ils sont quand même foulés, enfin je trouve pour la PSP, le jeu est très convaincant graphiquement. Oula. Donc les impacts entre les voitures, on le sent aussi. Alors j'ai pas parlé des musiques, tout simplement parce qu'elles me marquent pas du tout. Et en plus par défaut dans le jeu, vous l'avez vu. Elles ne sont pas super fortes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre au maximum. Le temps 2, je vais baisser un peu ça. Et on va s'écouter un petit peu de musique. Vous serez juge de la musique, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas, ça sera toujours des affaires de goût. Je trouve pas mal en soi, mais pas percutante comme certains, comme les anciens, simplement. On va faire continuer, et normalement on a gagné du coup le championnat. 30 points sur 30, on a pris le maximum des points. Et du coup on a débloqué une Skoda Fabia, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Allez, je vous propose pour cette vidéo, on va faire le deuxième rallye. Voilà. Et on va prendre, bah, pourquoi pas la Skoda. Allez, c'est parti. On va prendre à nouveau l'entre-deux, je pense que c'est le mieux. Et on va lancer du coup le Blue Star. Voilà. Les chargements sont pas très longs non plus. Alors, les chargements sont plus longs sur un vrai UMD, je précise. Mais bon, là ça va. À faire les effets d'eau et tout sur les côtés, la petite cascade. Non, non, vraiment, vraiment, côté technique, le jeu est très très bon. Très très bon. On pourrait presque croire une version PS2 console. PS2, ça, je pense ça va pas à rougir par rapport à une Play 2. Bon, sauf voilà, la résolution qui est assez ignoble. Mais le reste, c'est très très bon. Qui est un peu plus sinueux. C'est dommage, j'en ai presque envie d'aller à gauche pour aller monter sur la pyramide. Qui est un petit peu plus sinueux. Ah oui, ça me fait aussi penser à autre chose de Sega, un petit peu, hein, légèrement. Ça me fait aussi penser au graphisme de... Ça va me revenir. Phantasy Star Online, légèrement. Alors beaucoup plus luxalisé, je vous l'accorde, mais ça fait penser un peu à ça aussi. On a l'impression que Sega, à l'époque, avait un moteur graphique assez spécifique et utilisait un petit peu dans beaucoup de licences. J'y savais, Phantasy Star Online n'est peut-être pas édité par Sega, je sais plus. J'avoue que j'ai pas le genre de jeu auquel je joue.
pour l'instant on domine, enfin en tout cas on est premier et quasiment le début de la course. Je dis ça pour qu'on commence à me rattraper. Quand on dit un petit peu l'IA derrière. Mélangé évidemment plus moderne, mais c'est assez dans le thème, ça va. Et voilà, du coup on a fini la course et on est premier. 10 points dans la besace. Continuer pour le coup. Alors on va faire suspendre le rallye next race quick race, j'ai pas fait gaffe, je vais aussi faire ça. Donc pour le coup on va continuer. Il nous reste deux courses à faire. Un peu plus simple en tout cas au niveau du tracé. A voir après dans les faits. On va mettre un coup de pression à l'IA, ça c'est bien. Et par exemple je la pousse depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'à chaque fois dans les courses il y a les deux premières IA qui sont un peu éloignées et les deux autres qui sont qui s'éloignent. De la rattraper. Oh, ça s'est touché avec la Xara. D'ailleurs, petite question pour ceux qui commenteront. Est-ce que vous prononcez Xara ou Xara? Tu prononces Xara ou Xara? Parce que je sais que la Xantia, bon là il n'y a pas trop de... pas trop d'autres manières de la prononcer, mais Xara Xara peut se jouer à pas grand chose. Oh alors la sortie. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est une Fabia aussi, c'est une Fabia. Oh attention. Vous avez vu, on s'est touché, mais bon c'est pas super impactant. Enfin on perd un peu de temps effectivement, mais pas plus que ça. Par contre le dernier tour là j'aimerais faire les 30 points, ça serait bien. Alors rattraper le pilote en violet. Oula, on est peut-être à part n'importe comment là. Bon, les spectateurs sont en 2D. Alors il faut pas trop, pour faire évidemment glisser la voiture, mais il faut pas trop la faire glisser dans un angle trop élevé, sinon pas vraiment de la vitesse. Quand même doser un minimum. Et je me souviens sur la démo, PS3 à l'époque, le jeu était super difficile, j'ai trouvé. Alors, je sais pas quel mode de difficulté ils avaient mis à l'époque, mais là ça se passe plutôt bien, il n'y a pas trop de problèmes. On va arriver du coup dans le dernier virage, voilà. Et remporter la course.
finish. On va passer, on va faire continuer. Et du coup, il nous reste le Tropical 1 à refaire. Parce que je crois qu'on l'a déjà fait dans le premier championnat. Go! Effectivement, on l'a déjà fait. Terminer ce deuxième championnat et voir un petit peu ce qu'on peut débloquer. Évidemment, je vous spoilerai pas tout, ce serait un petit peu dommage. Water. J'ai pas l'impression que l'eau ça nous fasse perdre beaucoup de temps quand même. Et la touchette avec le Tsubaru et voilà. On perd du temps là. Vous avez vu quand j'étais un petit peu à 90 degrés, le compteur est retombé à quasiment 0 tour minute. Ce qui normalement est improbable, hein, c'est là que le moteur aurait calé. Mais... bon, je confirme, les musiques ne sont pas du tout... ne sont pas du tout exceptionnelles. Ma conduite sur ce début de rallye. Arrow. On est passé un peu à travers. Oh là là, je me suis monté ta queue. Et pour le coup, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon parce qu'on est quatrième. Il va falloir vraiment rattraper derrière, devant nous, pardon. Quatrième, je sais pas si ça va donner au championnat. Et on va essayer de se concentrer. Je vais me taire jusqu'à la fin de ce rallye. Je vais interrompre un peu la musique parce que je me fais beaucoup penser à Age of Empires, la musique. Pas le côté guitare, mais derrière. Et du coup, la victoire. On a réussi à faire un bon tour. Continue, on va voir si on gagne quelque chose. Donc du coup on a réussi les deux séries. Et on a débloqué une Ford en version premier et le mode professionnel. Donc voilà, on va avoir du coup ce mode débloqué. Puis ainsi de suite jusqu'à débloquer tout. Jusqu'à tout réussir, pardon. Dans les trois modes, donc vous aurez compris un petit peu l'idée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus maintenant sur ce jeu. C'est du Cigar Rally, c'est plutôt bien fait pour de la console portable, honnêtement. Je vous conseille d'essayer si vous avez la console tout seul, si vous avez une PSP, pardon. En attendant. Voilà, donc si vous aimez l'arcade, en tout cas c'est fait pour vous. Si vous préférez le côté un peu plus simulation, bah, allez voir plutôt du côté de Koei Takré.
qui fera l'affaire lui aussi. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, lui, à la prochaine. Ciao tout le monde! Thank you.